Une décoration bancale, mais t'aimes bien One Piece? J'ai ce qu'il te faut! Simple! Tu vas sur mywantedshop.fr, tu regardes tous les avis de recherche qu'ils ont, ils font des packs et des offres de malades, le lien est en description. En avant, pour le troisième épisode! Wesh les gars, c'est Izuki, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super! Aujourd'hui, troisième épisode de Pokémon Scarlet, Écarlate, tout ce que vous voulez, comme d'habitude. Les règles. Les vidéos sont publiques de 19h. À minuit et seront non répertoriés. Donc prenez bien le lien de la playlist, les frères. Le lien de la playlist, prenez-le bien. Ensuite, toute la journée, ils seront non répertoriés. Et ensuite, public. Donc, partagez la playlist et voilà. Comme d'habitude, mywantedshop.fr. Les refs, comme d'habitude. N'hésitez pas à passer, il faut des avis de recherche de fou furieux. Oh, j'en ai même là, j'ai celui de Miyok juste là. Le fils d'Oro juste ici. Le fils Gear 5 là-bas. Non, c'est des dingueries, les mecs, c'est des dingueries. Ouais, ils m'ont envoyé, ouais, voilà, je le dis comme ça. Non, mais c'est de la super bonne qualité, les mecs. Genre, j'ai un Miyok, putain, c'est une dinguerie, genre, le Miyok, oh là 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 là. J'attends qu'on cotaille les bagues, comme ça, j'aurai la team cross guild. Bref, c'est pas le sujet. Bon, j'espère que vous allez bien, les gars. Let's go pour la suite, hein, j'espère que le let's play vous plaît, hein. N'oubliez pas, comme d'habitude, abonnement. Commentaire pas obligatoire, like, ça serait plaisir, l'abonnement déjà. Les gars, allez, on est au 2000... Je crois que j'avais dit 3000 abonnés la dernière fois. Non, on est au 2002, 2003. Ce serait bien qu'on arrive au moins au 2005 ou alors au 3000, ça serait pas mal quoi, Bon, bref, déjà que je vous fais 3 vidéos par jour. Voilà, let's go, vamonos. Donc, alors... Bah du coup, je saute. Ah donc là, en fait, on peut sauter, mais on peut pas remonter. D'accord, ok. D'ailleurs, les gars, attendez, je fais une petite ellipse parce qu'en fait, je ne me rends compte que j'ai pas lancé le jeu en 1080p. Bon, la qualité est un peu différente, c'est vrai. Mais déjà, on n'a plus le bug graphique, donc ça, c'est, je pense, c'est un bon point. Et voilà, on n'a plus aucun. Ouh là, on a l'écran blanc là. Non, c'est bon. Donc, on n'a plus aucun lag, du coup, c'est tant mieux, j'ai envie de te dire. Oui. Alors. Non, tout va bien. Comment on enlève ça? Si, on a quand même un petit problème. C'est pas grave, tant pis. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il a? Et vous aussi, qu'est-ce que vous faites là? Et, mais tu suivais pas le parcours littéraire par hasard, tu t'appelles Pepper, c'est ça? Tu es le fils d'Olim, le professeur Pokémon. Ramène pas ma mère là-dedans, ok? Pourquoi il est vénère, lui? Ce que je veux savoir, c'est... ce qu'il fait ici, ce Pokémon, et sous cette forme en plus. Il m'a sauvé la vie. En fait, on a entendu un drôle de cri, en cherchant... Izuki a glissé de la falaise. Les gars, c'est bon. J'ai réglé le problème du truc blanc, là, etc. C'est bon, il n'y a plus de truc blanc, là, c'est bon, là, c'est clean. Du coup, voilà, let's go, on reprend. Il m'a sauvé la vie, du coup, on avait dit. Izuki a glissé de la falaise. Et ce Pokémon l'a sauvé. Mais je crois qu'il a utilisé ses forces depuis, il est tout raplapla. Pourtant, avant de prendre cette forme-là, il était hyper fort en combat. Ouais, je sais, mais sous cette forme, il ne peut pas faire grand-chose, surtout pas se battre. La vraie forme de Coraidon, c'est celle qu'il adopte au combat. Coraidon, c'est son nom? Comment tu sais ça? Agro. Tu pourrais pas rentrer dans le labo. Tu pourrais pas rentrer. Inutile d'essayer, j'ai fermé la porte à clé. Je t'ai jamais vu dans le coin là. Mais t'as le même uniforme que nous, j'imagine que t'es de notre académie. Coraidon, c'est pas le genre de Pokémon c'est ça par n'importe quel adresseur. Je sais, mais je suis l'élu. Dans chaque jeu, je suis l'élu. Il faut dire ce qu'il en est, quoi, tu vois quoi. Ah oui, c'est quel genre de Pokémon alors? Si tu veux t'en occuper, faut d'abord que je teste ton niveau en combat. T'es prêt? Ah, je vois que t'es motivé. Je sais pas si je suis me soigner, mec. Hein. Je voulais me changer les idées. Allez, viens de battre maintenant, viens maintenant. Soigner ou pas, je te débunk. Bon, j'ai peur, le dresseur va se battre. Là, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il n'y a pas de transition, en fait. Ça me paraît... pas moyen, mais bon, c'est particulier.
J'en ai ras-le-bol que l'on me parle de ma mère. Ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle te faisait, ta mère? Rengorgement, ça augmente. Attaque et attaque spé. On va le setup, hein. On setup un peu comme d'habitude, hein. Alors, on fait un plus 1, ça suffit, je pense qu'on est au début du jeu. Morsure. Ça va, il fait pas de dégâts. On peut limite monter à plus 2. On monte à plus 2. On monte à plus 2, comme ça, on le débunk facilement. Ok, il fait mimique. Bon, il est bancal. Alors, j'espère que ça baisse pas mon attaque parce que ce serait bête. Bon, c'est ma défense. Ok, ça va. Et ma pistolet là-haut, let's go. Ah là, ça fait très très mal. Enfin, sinon, on aurait pu s'en faire le tuer. Ah, mais là, puisqu'on a plus de défense, c'est normal, on prend. Trop cher, moi. Bon, le frérot à sa maman, là, on l'a un peu. Traumatisé. Je sais pas. Vous avez battu Pepper le dresseur. Ah ouais, et oui. Tu te défends plutôt bien. Merci pour les 300 Pokédollars. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Moi, je te débunk, c'est tout, point. Bon. Oh, le nuage de poussière derrière, je trouvais ça trop stylé. Bien joué, Izuki. J'avais aucune chance avec un Pokémon que je vais à peine de capturer. Enfin bref, si tu comptes vraiment emmener ce Pokémon, prends ça. C'est une Pokéball qui sert à le contrôler. La Pokéball de Corridon. Oh, on le garde? Mais attends, mais c'est pas le légendaire, lui? Mais pourquoi t'avais ça sur toi? Au moins, j'ai réussi à me débarrasser de cette Pokéball. Allez, salut. Il est mystérieux, lui. Il est mystique. Qu'est-ce qui se passe? Et je suis pas transparente. Si. Si, tu sers à rien. Voilà. Pour commencer, tu sers à rien. T'as pris le mauvais starter, déjà. On commence par là. Et arrête de sécher les cours, ok? Et oh, mais elle s'est crue pour qui, elle? Elle est insupportable. Il se prend pour qui, ce gars? Je sais rien. Attends, du coup, on peut le jouer ou pas? En tout cas, elle avait l'air d'en savoir plus sur nous que ce Pokémon. La prochaine fois que je le croise, je lui tirerai des informations par la force de mes Pokémon. T'es nul. Allez, on monte en haut du phare, on peut voir l'école de là-haut. Pokédex, c'était nul, genre. Mais. Ouais, on peut pas le jouer en fait. Mais Corridon, c'est le légendaire, je suis pas fou. On va regarder sur la jaquette du jeu, mais il me semble que. Bon, on va écrire Corridon sur internet, on va voir ce que ça donne. Corridon. Ah, Corridon, c'est le légendaire en fait, c'est tout. C'est le légendaire, c'est tout. Oui, c'est le légendaire, je suis pas fou. C'est le légendaire, c'est tout. Oui, bah oui, bah, c'est ça. Enfin, c'est le Pokémon qui est sur la jaquette du jeu, de toute façon. Oui, donc techniquement, c'est ça. Donc, on a déjà le début du jeu. C'est quand même plutôt particulier, je trouve. Hein. Ça a changé d'habitude, mais bon, tant mieux, j'ai envie de te dire, en vrai. Tant mieux, j'ai envie de te dire. Ça change d'habitude, quoi. Ouh là 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 là. Je trouve que. Oh putain, par contre, si c'est ça l'Académie des Dresseurs, c'est insane. Et le monde, il a l'air super, super grand. Il a l'air d'avoir tellement de choses à faire. Oh, ça, on va bien s'amuser, les mecs. Hein. Moi, j'ai hâte. Hein. Regarde, là-bas. C'est Mesa Ledo. Qu'elle disait Caldeo, je vois. Et tu vois le bâtiment avec la grosse Pokéball, c'est notre école. Ah, on est dans. Non, en vrai, le jeu, il est particulier. Particulier. Vraiment cool. Vraiment cool. Donc, les gars, n'oubliez pas de vous abonner, hein, ça fait plaisir. Et on va dans la même classe. J'ai tellement hâte. J'ai peur des devoirs. Mais tu vas apprendre plein de choses sur les combats Pokémon, tu vas adorer. Moi, je débunk tous les profs déjà. Voilà, je le dis. Est-ce que les profs, ils ont fait noir et blanc? Non! Bah voilà. La vue est superbe depuis le parc, pas vrai? Est-ce qu'ils ont fait. Non, je vais rien dire, parce que si je dis des trucs après. Non, ah, ouais, c'est ça. Les montagnes, les prairies, les forêts, tout ça à perte de vue. Les gars, j'espère que je travaille sur un remake de Pokémon noir et blanc. Moi, j'attends que ça, en fait. J'attends que ça. J'attends que le remake de Pokémon noir et blanc. Même Chibi, je m'en fous, je le prends. Sous cette nature regorge de lieux fantastiques, qui eux-mêmes regorgent de Pokémon qui attendent qu'une chose, te rencontrer. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore souhaité officiellement, mais bienvenue à Paldea. Bref, faut y aller maintenant.
Comme tu peux le voir, il nous reste encore pas mal de route. Commençons par nous rendre à Plateau Réal, c'est sur le trajet. C'est parti! Bon, elle est un peu très envahissante. Donc on est vraiment monté à tout ça pour ça, genre. Mais let's go pour la première ville, du coup, j'imagine. C'est un peu une sorte de Arabelle, si vous voyez ce que je veux dire. Pour ceux qui ont la rêve, bien sûr. Donc si j'ai... Là, c'est par là. C'est un skitty, ça, ou c'est un... Non, c'est un... Granivol. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Befrève, ok. Non, cet épisode 3, il nous veut du mal, hein, moi je le dis. Il y a un petit bug, mais bon, là j'ai repris. Allez, let's go. Donc, alors, le premier dresseur, donc c'est un premier gamin. On va voir un peu qu'est-ce qu'ils ont les capacités de nos Pokémon. Donc, on va voir l'ennemi juré d'un sécateur, Tissamboule. Tissamboule, ça me fait penser vraiment à un pseudo qu'aurait pu donner Fildrong, quoi. Réellement, genre... Ça me... Bref, un petit bit en tronc, ce genre de choses là. Quand on est dresseur, on se salue avant de se défier en duel. Il se prend pour qui lui? Bon, écoute, gamin, allez, lance le défi. Dimitri, bon, Dimitri. Allez, rapidement là, on accélère là. Ah bah tiens, comme par hasard, comme par hasard. Ah, il veut nous débunk, Dimitri là. Bah, on va spam charge, hein. Est-ce qu'il y a moyen de debunk alors qu'il est de plus haut niveau? Il fait mal en vrai. Ah, il baisse ma vitesse. Ouais, non, ça va être complexe, hein. Ça va être complexe. On voit passe rouge. Ah, passe rouge, il a pique-pique, ok. Par contre, le truc qui nous remettent les attaques super efficaces, etc., moi j'aime pas trop. Vraiment, j'ai jamais été trop adepte de ça, genre. Il nous donne la table des types comme ça, quoi. Alors que en vrai, autant réfléchir, etc. C'est beaucoup mieux. Par contre, il y a un problème de caméra encore. Enfin, bon, après, c'est le début, j'imagine. Là, je l'ai réglé. Enfin, je sais pas. Mais il y a un problème de caméra déjà. Du coup, faut falloir régler ça. Ça sera dans le premier patch, je pense. Premier patch. Pas dans le premier match après le jeu, comme ça. Ok. Bon, ça va. Bah, niveau plus pour passe rouge, il a vraiment vive attaque. Bah, cool. Let's go, j'ai envie de te dire. Tes Pokémon sont trop forts. Donne plus d'argent. Oh, un psycho-quack, les mecs. Un Mustéboué. Mustéboué, il est pour nous. Ah, mais non, j'ai un Pokémon type O. J'en veux pas du Mustéboué, je le débunk. Un Azuri. Un Azuril? Ah, mais non! Bah, on a déjà un Pokémon type O. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je veux dire, on se crée le GOAT, hein. Si vous voyez ce que je veux dire, bien sûr. Mais non, bah, du coup, non, ça sert à rien. Ça sert à rien, on a déjà un Pokémon type O. Bon, bah, on continue. Il y a encore un dresseur là-bas. C'est quoi ce Pokémon? C'est un Axolotl Shiny? Je le connais pas, ce Pokémon. Viens. Il est shiny? Il est shiny ou il est comme ça? Je pense pas qu'il soit shiny, les mecs qui auraient une animation, non? Il est pas shiny. Ah ouais, par contre... Il est pas shiny, on est d'accord. Bon, tant mieux. Mais il est pas shiny, on est d'accord. Il est shiny? Non, il est pas shiny. Ah, forme de Paldea, ok, d'accord. D'accord. Ok, non, non, en fait, non. C'est juste que des Pokémon ont des nouvelles formes, d'accord. Non, non, c'est juste qu'ils ont des nouvelles formes, d'accord.
Bon, bah ok, admettons, bah autant pour moi du coup. Mais bon, ça fait toujours du bien de le capturer. Je pense qu'on va rush la ville. Hein. Il est où le dresseur? Viens te battre. Si tu me bats, je t'apprendrai tout super. Viens maintenant. Viens. Tu vas apprendre quoi au maître, maître de la chaîne Izuki? Félicie l'étudiante. Moi je trouve que. Bon, après ça c'est mon avis. Hein. Le fait qu'il n'y ait pas de transition, ça me fait bizarre. C'est bon, c'est mon avis, vous voyez. Genre, je pense que bah, y en a plein, ils vont se dire bah on gagne du temps, etc. Mais je sais pas, je trouve que le fait est qu'il n'y ait pas de transition du tout. Quand on passe de clac, clac directement, genre la caméra elle monte, clac directement au combat, ça me plaît pas. C'est pas mon. Pas mon. Pire. Il a pas beaucoup d'attaques hein, ce Pokémon. Hein. Vas-y, on va envoyer notre coffeton. Mais bon, ouais, coffeton rangement, j'aime bien déjà aussi. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, on est en train d'énumérer les points positifs. Non, le jeu a l'air cool, vraiment, il y a l'air de l'énergie. D'abord, le légendaire dès le début, en fait, c'est bizarre, mais c'est giga original. Et personne ne peut dire le contraire, en vrai. Genre, franchement, qui l'eût cru? Genre, moi, non. Donc, forcément... forcément... au revoir, hein. Ok, let's go. Bon, j'ai pas trop vu qu'est-ce qu'on a récupéré. Mais entre Dimitri et Félicie, voilà. Il n'y a pas trop de feeling de ce qu'on voit. C'est assez facile. Ah, mais donne plus. Oh, mais les gamins, ils sont à sec en ce moment. Est-ce donc ça la crise économique? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Viens. Bon les gars, on découvre quand même les nouveaux Pokémon, hein. Je suis pas là à rush le jeu comme d'habitude, comme Diamant Étincelant, pardon, ou comme Pokémon Arceus, genre là vraiment je suis là pour découvrir, parce que là on a des nouveaux Pokémon, c'est pas comme de Pokémon Arceus, on connaissait un peu tout, et autant il y avait quoi, il y avait 6 nouveaux Pokémon, c'est ça? Ashcatter, les trucs Bargantua, bon bref, ce genre de choses, tu vois ou pas? Là vraiment on a des nouveaux Pokémon qu'il faut qu'on découvre. Et du coup, on a vraiment du temps pour ça, quoi. Donc forcément, forcément, je suis un peu plus attentif à tout ce qui se passe. Du coup, bah quoi fait-on, let's go. Bon. Vas-y, lui faire des dégâts du coup. On va attaquer Stabé. Bon, j'ai hâte de voir la stratégie de la 9G1. Je connais pas du tout. Je ne connais rien en stratégie, mais je sais que quand je regarde la vidéo de Fildrong. Ouais, j'aime trop Fildrong. Je pense que c'est un youtubeur Pokémon préféré. Mais bon, c'est pas le sujet. Genre, vraiment, les matchs nouvelles strat là, c'est instructif et très captif. Hein. Vous pensez qu'on aurait dû commencer en Nuzlocke? Moi je pense pas. Je pense que c'est bien comme ça. On peut le let's play tranquillement, y'a pas de soucis. On n'est pas là pour se la tuer. Ok, let's go. Patachio du coup. Ok, niveau 9. Non, du coup, pas de surnom. À chaque fois j'oublie. Ok. Bon, le truc du Pokédex, là, je trouve ça vraiment stylé. Genre, ça fait sous forme de livre. C'est vraiment cool. Poil de Patachio. Bon. Oh. Vous la voyez là, elle nous attend. On va nous présenter le centre Pokémon, je connais. On évite, on connaît pas. On connaît. Ah, je savais. Oh, maintenant, c'est nouveau ça. Les centres Pokémon en plein air. Il y a même un côté Wi-Fi. Ça, c'est un centre Pokémon. Tu peux y faire un tas de choses pour tes Pokémon. Bonjour, vous pouvez lui expliquer comment ça marche ici? Mais explique-moi toi! C'est toi qui me présente! Bien entendu, tout d'abord, bienvenue au centre Pokémon. Notre rôle est de soigner les Pokémon de tous nos visiteurs. La boutique, je pense. Moi, sur la boutique Pokémon, vous pouvez y acheter des potions ou des Pokéballs ou... Tu vois, des Pokémon, bon, admettons. La boutique accepte aussi les points de ligue ou les PL comme... Un PL est égal à un Poké$. Je connais pas du tout les points de ligue. Bon, on va voir ce que... Si je m'achète comme elle soit à créer des CT ou des capsules de sont des objets qui permettent. Et pour l'utiliser, vous aurez besoin de PL et d'échantillons que les Pokémon abandonnent derrière eux.
Oh, c'est super bien comme nouveau système. En mode, tu récupères les poils d'un Pokémon, admettons. Tu les mets dans la machine, tu peux choper une de ses capacités. Putain, ça c'est cool ça. Donne un peu, j'en ai plus. Ouais, voilà, donne maintenant, donne. Et voilà, quelques échantillons. Pardon. Le Club Union permet quant à lui de vous connecter à d'autres dresseurs pour recruter des compagnons d'aventure. Bref, si vous avez besoin de quoi que ce soit, les centres Pokémon sont là pour vous aider. Et moi j'ai hâte de voir les let's play à deux personnes, deux, trois personnes. Il faudra qu'on fasse ça nous aussi de toute façon, mais j'ai hâte de voir ça pourrait être vraiment cool. T'as bien compris, en cas de difficulté, le centre Pokémon est là pour t'aider. N'oublie pas, c'est un truc qu'on nous demande en interro. Et quand tu commenceras à t'habituer à tes Pokémon, vraiment en interro, n'oublie pas, bouton R en avant. En gros, en appuyant sur le bouton R, tu peux demander au Pokémon qui te suit d'aller ramasser les objets de ton. Ah, ça c'est bien. Ah, du coup, il y a un Pokémon qui peut nous suivre. C'est bien ça. Ça va faire comme dans. Alors, est-ce que sur Pokémon Épée Bouclée, on pouvait faire ça? Moi, je me souviens pas. On pouvait se faire suivre par un Pokémon? Je trouve qu'ils ont remis ça, c'est bien. Merci. Attends, par exemple. Sortir de la Pokéball. Ah non, je sais pas, je le passe en tête d'équipe, ok. Et on peut, je peux pas le sortir de la Pokéball, là, on est d'accord? Je vois pas de. Bon. Bah. Et du coup, donc là, on a les CT. On sort de Pokémon en plein air, je trouve ça bancal. Voilà, je le dis. Ah. Donc là, je me retourne, il se retourne. C'est quoi ça? C'est sorte de Pokémon multiportatif? Ça, je pense que c'est pour l'aspect en ligne. C'est pour que, genre, il n'y ait pas d'attente au centre Pokémon. Mais je trouve ça. Bon, bah. Allez, admettons, tu vois, ou pas. Admettons. C'est paisible ici. Ici, c'est les plateaux réels. C'est une ville paisible où le bonheur nous est servi sur un plateau. Mettons. Donc, là, il faut qu'on aille à l'école. On va avoir un Pokémon. Ok. Alors, j'ai cru qu'il faisait su. Ok, donc ça, c'est des boissons. Qu'est-ce qu'il nous propose? Une crème glacée. Ouais. 900 Poké-dollars, la crème glacée. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On visite cette. On visite. Bon, on visitera en live cette ville, voilà. On visitera en live et voilà. Bon, bah en tout cas voilà les gars. C'était Izuki. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser like, pouce bleu, commentaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas le système. N'oubliez pas le système. Vidéo à 19, 18, 19, 20h. Jusqu'à. Bref, t'as capté minuit. Ensuite en non répertorié, donc tu prends la playlist. Et comme ça, tu peux la regarder quand tu veux. Voilà. Et après, quand le jeu il sera sorti, bon, y a pas de soucis. Ensuite, ça c'est bon. Et comme d'habitude, My Wanted Shop, n'oublie pas les gars d'aller aller checker un petit tour. Voilà, comme d'habitude, ils font des promos de fou. C'est toujours cool. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un code promo. Je vais essayer de refaire un partenariat avec eux, d'en retrouver un. Donc, on voit comment ça donne. Et comme d'habitude, live Twitch, YouTube. Voilà. Voilà les gars, c'était Izuki. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros j'aime, votre abonnement. Bientôt les 2500. Bye tout le monde.